Salut, avant que la vidéo commence, je vous remets dans le contexte. C'est un montage d'une recette de cuisine que j'ai réalisée en stream sur ma chaîne Twitch. Voilà, maintenant on peut commencer. Bonne vidéo! Alors là, normalement, vous avez vu dans le titre, ça va être le Creepy Cookie. Alors, c'est un nom assez ouf pour quelque chose qui, au final, n'est pas énorme. Donc ce qu'on va faire exactement, c'est un cookie, en gros, de Minecraft. On va pas faire exactement le même cookie de Minecraft, tout simplement parce que, les gars, je vais faire un cookie, puis voilà. On va commencer sans plus tarder par la recette. Du coup, la recette, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, alors la recette, vous l'avez normalement juste ici. Non, juste ici. Voilà, elle est juste ici. Là, vous voyez la recette. Alors moi, je l'ai en papier parce que en vrai, même un cookie, je sais pas le faire, tu vois. Donc, il vous faudra un œuf, 57 g de sucre, 57 g de beurre, 100 g de farine, 65 g de pépites de chocolat, 3 quarts d'un sachet vanillé, une cuillère à café de levure et une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Après, j'ai la petite recette à suivre et tout, parce que je sais pas faire un cookie, tu sais. Pour commencer, il va falloir ramollir le beurre et mélanger avec le sucre. On se rappelle qu'il faut, je crois, 57 g de beurre. Donc 57 g de beurre, on va faire au feeling, voilà. Ok, je galère à enlever le beurre, mais c'est bon, tout va bien. On coupe notre beurre ici, comme ça. Ok, c'est bon, on a notre beurre coupé. Je vais aller juste simplement le mettre au micro-ondes, j'arrive. Ils disent ramollir le beurre, je pense que là il va être complètement fondu, mais en vrai, osef. Ensuite, après avoir mis le beurre, il faut le mélanger avec le sucre. Donc le sucre, il va nous falloir 57 g de sucre. Ok, c'est super bien fait ce verre d'odeur, puisque ça commence à 100 g. Voilà. Ça commence à 100 g, donc c'est parfait. Voilà, maintenant qu'on a notre beurre, ils disent ramollir. Moi, il est tout le temps ultra fondu. Donc on le met là-dedans. Voilà, le beurre est ultra fondu, hop. Et là, on met du coup le sucre. Ils disent commencer à mélanger tout ça. Donc là, on mélange simplement le sucre avec... merde, putain, j'en mets pardon. Maintenant qu'on a ça, la suite de la recette, c'est ajouter un œuf plus du sucre vanillé. Voilà, l'œuf est bon. L'œuf est bon. J'ai même une poubelle à côté de moi. Vraiment, les budgets de la prom sont énormes. Ok, on remue. On n'oublie pas de remuer. Je t'interromps quelques petites secondes dans la vidéo pour te dire que si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est le plus grand soutien que tu peux me donner. Merci beaucoup. Alors ouais, je suis désolé, Philippe Etchebest n'a pas pu venir. Voilà, je l'avais prévu, je lui avais dit bah mec, est-ce que tu peux venir et tout, bah, pour que je t'apprenne un peu comment on fait de la cuisine quoi. Et il m'a dit non. Bon, en vrai, je l'ai un peu mal pris, mais bon, c'est pas grave. Alors, un peu de farine, pareil, c'est 100 g. Alors, un peu, c'est quand même 100 g. Voilà, heureusement qu'on aime la farine ici. Qui mange de la farine comme ça, juste comme ça? Et viens, goûte vraiment de la farine, je sais pas si vous voyez, voilà. Goûtez. C'est horrible, hein. C'est pâteux. C'est horrible. Voilà, faut pas faire, faites pas ça. Heureusement que j'ai pris une grosse cuillère, sinon je m'étouffe en live. Hein. Voilà, quand on est débile, on est débile. Ok, alors là par contre, ils avaient dit il faut mettre au fur et à mesure la farine. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Ok, alors là par contre, ils avaient dit il faut mettre au fur et à mesure la farine. Ok, alors là, la levure chimique, on prend une bonne cuillère. Hop, comme ça va bien monter. Putain les gars, je comprends pas, le cookie, il est énorme. On va essayer de faire à peu près... une demi-cuillère. Putain, une demi-cuillère de sel, mon pote, c'est quand même énorme. Hein. On a fait ça. On va passer à la partie un peu chiante des cookies, c'est-à-dire qu'il faut faire des pépites. Alors, soit vous achetez des pépites de chocolat, et là, vous, du coup, vous êtes les boss. Soit vous faites comme moi, et vous le faites à la main. Vous êtes aussi des boss, mais vous êtes un peu bêtes. Mais tranquille. Alors là, je mets les mains, tu vois, et là, je fais ça. Voilà. Alors, c'est vraiment pour tout mélanger, parce que sinon, ça se mélange pas très bien. Je vais vous le faire... dans votre sens, pour que vous voyez bien, genre en gros ça sera comme ça, et moi il sera à l'envers pour moi, mais ça c'est pas très grave. Simplement mettre tout ça à chauffer. Alors, il faut. Je crois que c'est voilà 10 minutes 180 degrés, donc ça va aller très très vite. Le moment que vous attendiez tous est arrivé. Vous allez découvrir dans quelques secondes le cookie, le Creeper Cookie. Est-ce que vous êtes prêts? Retenez votre souffle. Voilà. Eh ben bon, bah j'ai. Ouais, je peux. J'ai pas réussi. Mais après, bon, il est mangeable, hein. Je te jure qu'il était bon. Vraiment. J'ai fait un creeper, ok? Et voilà, cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.